Bonjour à tous, ici Philippe Devol, avocat au barreau de Paris. Je suis ici avec ma cliente Gwenaëlle qui vient de faire sa déposition en faveur de Christophe Dittinger dans l'affaire de violence des affaires de violence qui lui sont reprochées sur les forces de l'ordre. Ma cliente fait 1m68 pour 47 kg, elle est atteinte d'une maladie très grave. Elle a subi des brutalités de la part du garde mobile qui fait partie justement des faits qui sont reprochés à Christophe Dittinger, et elle va vous donner sa version, la version de ces faits qu'elle a donnée à la police à l'instant. Bonjour, j'étais sur le pont au moment des faits, j'étais habillée en robe rouge Marianne et je me suis retrouvée donc au sol dû à ce qui se passait. Un policier m'a mis au sol correctement pour pas que je me fasse piétiner. Un de ses collègues est arrivé pour me matraquer avec sa matraque. Donc, j'ai reçu un coup de matraque dans la bouche, dans les dents. Des coups de pied dans les côtes. Et comme j'ai un problème pulmonaire, j'arrive subi trop de coups, trop longtemps, j'y passais. Monsieur Dittinger est arrivé, a attrapé le CRS et l'a viré de moi. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir me relever et partir. Parce que si je restais à me faire taper, c'était fini, mon poumon se décollait et j'y passais. Donc, il m'a sauvé la vie. Donc voilà, je venais le dire en face au policier ce qui s'est passé réellement. Voilà, donc c'est une première étape, un témoignage. Les prochaines étapes, c'est la saisine du procureur de Paris pour coups et blessures subies par ma cliente, du dépôt de brutalité du garde mobile, et ensuite la saisine de l'IGPN, la police des deux polices, pour qu'une enquête soit faite sur les faits qui sont établis. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.